Alors pour construire une maison, il est bien utile d'avoir une grue à côté pour porter les matériaux jusqu'au sommet du toit. Mais comment est-ce qu'on peut construire un gratte-ciel? Parce qu'il n'existe pas de grue assez haute pour aller jusqu'au sommet. Alors en fait, c'est très simple. La grue permet de monter les murs autant que possible, et puis ensuite on monte la grue sur les murs déjà construits, puis ça permet d'aller un peu plus haut, et comme ça jusqu'au sommet. En résumé, on monte d'abord la grue, puis les murs, puis les grues, puis les murs, etc. À la fin, la grue est démontée parce que ça ne sert plus à rien et puis que ce n'est pas très joli s'il restait un vieux bout de grue au sommet d'un joli gratte-ciel. Alors Luc semble construire son récit sur le même modèle, avec ces deux histoires de la venue de deux enfants qui sont complètement entremêlées, avec d'abord l'annonce de la conception de Jean-Baptiste, puis l'annonce de la conception de Jésus, puis la rencontre entre la mère de Jésus et la mère de Jean-Baptiste, puis la naissance de Jean-Baptiste, puis la naissance de Jésus, puis Jean-Baptiste qui se met à appeler les foules, avant que ce soit Jésus lui-même qui se mette à parler au monde. Alors pourquoi est-ce que Luc a mélangé ces deux récits? Cela aurait été beaucoup plus simple de nous parler seulement de Jésus, puisque c'est vraiment lui l'essentiel, le point de rencontre entre Dieu et l'humanité, et ça donne le sens de la vie humaine et puis son but, sa visée. Mais quand même Jean-Baptiste, il prépare la venue du Christ dans le monde, il prépare la venue du salut de Dieu dans notre monde et puis dans notre existence. Il est donc logique de commencer par lui pour nous préparer. Et les quatre évangiles que nous avons dans la Bible, ils racontent effectivement d'abord l'histoire de Jean-Baptiste avant qu'il disparaisse pour laisser la place à Jésus. Alors que veut nous dire Luc en mélangeant ainsi, contrairement aux autres évangiles, la venue au monde de Jean-Baptiste et celle de Jésus, en faisant comme une tresse entre ces deux histoires? Eh bien, Luc nous dit finalement que la construction de notre foi, de notre relation à Dieu, de notre salut, est un peu comme la grue et le gratte-ciel qui s'élèvent mutuellement. Ici, la religion prépare la relation à Dieu, qui va servir de base à une religion peut-être plus approfondie, qui permet à la foi de s'élever encore, etc. En effet, Jean-Baptiste, il incarne la religion, et Jésus incarne l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu en nous, à l'intérieur de nous-mêmes, Dieu parmi nous. Il incarne le salut de Dieu. La religion, c'est juste un outil, comme la grue pour construire une tour, mais elle est faite pour s'effacer, parce que ce n'est pas très joli finalement une grue. Elle doit disparaître à la fin, mais en attendant, c'est assez utile. La religion ne doit pas être plus que ça, mais pas moins que ça non plus. Un outil qui nous aide à construire une relation vivante avec Dieu. Luc nous montre ici qu'il doit y avoir comme un va-et-vient entre la religion et la foi, avec des avancées progressives de l'une et de l'autre, par paliers, par étages successifs. Luc commence par l'histoire de Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste. Ils sont l'archétype de la religion bien religieuse, avec bien sûr ce formidable temple de Jérusalem, avec cette cérémonie solennelle de l'offrande de parfums à Dieu, avec le peuple tout autour qui est en prière, qui chante, qui crie son espérance vers Dieu. Et puis Zacharie, il est prêtre. Élisabeth est même descendante d'Aaron, le premier des grands prêtres, le frère de Moïse. Et puis Zacharie et Élisabeth, ils incarnent la religion en tant qu'effort de l'homme vers Dieu. C'est une ouverture à sa bénédiction, à ses miracles dans notre vie. Cette recherche, elle a une certaine fécondité, puisqu'effectivement, Zacharie et Élisabeth auront finalement un enfant. Effectivement, une vie va naître en réponse à leurs efforts de théologie, de lecture de la Bible, de prière, de culte, d'offrande à Dieu. Alors même si ce n'est que Jean-Baptiste, cette fécondité est déjà immense en fait. Jean prépare la venue du salut, il ouvre ainsi ce chantier d'élévation de notre existence pour le contact avec Dieu. Mais attention, même si Luc commence son évangile en mettant en scène en premier lieu la religion, l'effort de l'homme vers Dieu,
Cela ne veut pas dire que la religion serait le point de départ de tout, comme si c'était l'homme qui devait réveiller Dieu par ses rites et qu'il pouvait lui arracher sa bénédiction à coups de prière et de culte. En effet, les noms mêmes de Zacharie, d'Élisabeth, ainsi que le nom de leur fils, Jean, ces trois noms propres affirment que c'est Dieu qui a aimé le premier et que l'effort de l'homme vers Dieu n'est qu'une réponse, en fait, à la grâce première de Dieu, à sa miséricorde. En effet, Zacharie, en hébreu, Zacharia, signifie « l'Éternel se souvient ». L'Éternel tient sa parole de bénédiction pour toutes les familles de la terre, parole qui a été donnée à Abraham, comme le rappelle aussi bien le cantique chanté par Marie et celui chanté par Zacharie, bénédiction donnée à Abraham qui réunit les juifs, les chrétiens, les musulmans. Alors au point de départ, il y a donc l'Éternel Dieu qui choisit de nous bénir tout simplement parce qu'il a de la tendresse pour nous. Et puis ensuite, il y a Élisabeth. Élisabeth en hébreu, Élie Shabbat, ça signifie « mon Dieu », Élie, est une promesse pour moi. Pas seulement pour l'humanité, mais pour moi aussi. Et puis enfin, leur fils Jean, en hébreu Yohanan, ce nom signifie « l'Éternel est grâce », il est un amour gratuit pour chacun. Alors à la base, il y a donc ce Dieu qui est amoureux de nous et donc nous n'avons absolument plus rien à craindre de lui, comme il est dit dans ces textes. Ce Dieu qui ne nous oubliera jamais et ce Dieu qui est pour nous seulement promesse, miséricorde, amour gratuit, effort pour nous élever, pour faire de nous quelqu'un de bien et de bienfaisant pour ceux qui nous entourent. Et donc la religion est déjà une réponse en fait. La religion, c'est déjà un acte de foi vers une promesse qui nous a été faite depuis bien longtemps, depuis toujours. La religion, c'est un peu comme la réaction du bébé qui, sentant que sa mère l'a prise dans les bras, cherche son sein pour recevoir son lait. Mais la religion n'est ni la mère, ni le lait, ni la vie. La religion est un simple geste. La religion est utile comme ouverture à la vie qu'est Dieu et à sa bénédiction pour nourrir notre existence. Mais la religion, elle est stérilisante si elle se prend pour l'essentiel, car alors elle est fermeture. Cela aussi, Luc nous le montre dans ce récit. Zacharie et Élisabeth se sont épuisés en prières, en sacrifices, en religion, en parfums brûlés dans le temple pendant des années, sans la moindre fécondité. C'est que peut-être ils pensaient que la religion est une sorte de formule magique, comme une télécommande, pour obtenir les bienfaits de Dieu. Eh bien non. Ce serait alors de la superstition, cette religion. La religion serait alors stérilisante. Elle n'est source de vie, la religion, que quand elle est une ouverture à la présence de l'ange qui symbolise ici le contact avec Dieu lui-même, qui est la source. Sans cette attente de contact avec Dieu, la religion n'est qu'une sorte de danse de la pluie où l'homme se célèbre lui-même. Il célèbre alors la beauté de sa liturgie, il célèbre alors ses arts et sa culture, ses pirouettes théologiques, il célèbre sa propre intelligence. Au contraire, tout cela c'est très bien, la culture, la beauté, la théologie... L'intelligence, tout cela, c'est très bien quand le meilleur de nous-mêmes est mobilisé finalement dans une ouverture vers la transcendance, vers ce qui nous dépasse. Alors se mêlent l'élévation et l'humilité. Et nous qui avons fait place à un temps de culte en cette nuit de Noël, quelle sorte de religion pratiquons-nous? À qui rendons-nous un culte en vérité? Eh bien, c'est un culte à Dieu si nous l'espérons, s'il est le but de notre aspiration profonde, si dans notre prière nous demandons enfin l'essentiel, si nous demandons Dieu, si nous demandons Dieu à Dieu en fait, rien de moins. Ce quelque chose de plus grand que l'univers, ce quelque chose qui est la source ultime. Sans cette ouverture, sans cette aspiration-là, notre religion rend un culte à l'homme seulement, et nous resterons indéfiniment à danser en rond
autour de notre propre nombril. Mais en réalité, nous sommes bien plus croyants que nous ne le craignons parfois. Est-ce vraiment Dieu que je cherche quand je prie? Est-ce que c'est vraiment Dieu que j'attends, que j'écoute, que je rencontre au plus profond de moi-même dans ma méditation? Oui, nous dit cette magnifique, cette bénéfique pensée de Pascal. Ce génial philosophe et physicien s'inquiétait lui aussi de cette question, de savoir si c'était vraiment Dieu qu'il cherchait, et il s'entend répondre par Dieu dans son cœur, « Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. » Et donc si nous avons envie d'avoir la foi, c'est que nous l'avons déjà. C'est que nous avons déjà eu comme une première expérience de Dieu, même si nous n'en avons pas vraiment bien conscience, même si c'est plus ou moins confus, mais quand même ça nous donne une première inspiration. Alors ensuite, un peu de religion permet de se préparer à accueillir ce que Dieu d'ailleurs nous a déjà donné en nous effleurant. Un peu de culte comme Zacharie, un peu de prière comme Élisabeth, un peu d'ascèse comme leur fils Jean, un peu de religion à notre façon, dans notre style, la juste dose, ne prenant ni trop au sérieux notre religion, ni pas assez, à la façon, au rythme qui nous correspond. Un peu de religion, mais pas comme un but, juste comme une ouverture à cette réalité essentielle que nous savons ne pas encore vraiment connaître, ou si peu. Alors, nous avançons. Zacharie sort pourtant muet de cette rencontre avec Dieu, comme Jacob en sort frappé à la hanche, comme l'apôtre Paul en sort aveugle. Alors vous allez me dire merci du cadeau, mais ces troubles ne sont qu'une petite crise de croissance et c'est normal. La religion mobilise nos facultés au service d'une ouverture vers quelque chose qui est vraiment d'une autre dimension que nous. Elle est comme une grue qui est toute habituée, la religion, à élever un peu la matière à sa hauteur et qui tout d'un coup est elle-même élevée à un autre niveau. Elle n'a pas l'habitude de ce mouvement. Et il y a donc un vertige dans ce saut, quelque chose qui nous étonne. Et c'est normal. Et ainsi, pour parler de ce qu'il a vécu avec l'ange, il faudrait que Zacharie invente des mots nouveaux. Il ne les a pas encore. Sa théologie ancienne y perd son latin, ou plutôt y perd son hébreu en fait. Il prenait sa théologie, il prenait sa religion, il prenait son interprétation des Écritures comme un sommet. Et il l'était à l'époque, il l'était pour lui. Mais maintenant, ce ne sont qu'un petit escabeau tout ça, bien utile, mais modeste. Et donc la religion est utile, mais elle n'est même pas indispensable, nous dit Luc dans ce récit, quand il aborde ensuite l'histoire de Marie. En effet, contrairement à la famille de Jean, Marie reçoit la visite de Dieu par surprise, en dehors de tout contexte religieux. Au contraire, Luc nous dit que l'ange, il vient faire irruption chez elle à domicile, comme une grâce, et c'est tant mieux. C'est vrai que l'être humain est naturellement spirituel, la religion, elle travaille seulement cette disposition. Alors le nom même de Marie évoque le contraire de la religion. Ce nom signifie « la rebelle ». Et c'est bien ce qu'incarne Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron, qui s'appelait aussi Marie. Cette Myriam n'était pas très sage. Elle est directement inspirée par Dieu et donc elle n'est pas vraiment dans la ligne du parti et ça fera un peu désordre dans l'histoire. Alors c'est une vraie prophète, cette Myriam. Et Marie aussi, d'ailleurs, Marie, la mère de Jésus, est vraiment prophète. Comme nous, à sa suite, nous sommes faits pour être prophètes. Des électrons libres, donc. Et donc la religion est utile, mais elle a donc des limites. L'expérience de la rencontre avec Dieu a aussi ses limites, aussi, bizarrement, alors qu'elle est un contact avec l'ultime. Les anges repartent, en effet, et ils laissent Zacharie et ils laissent Marie à leur vie changée. À leur vie habitée d'une vie nouvelle. La religion prend alors le relais. Elle prend le relais avant et après cette expérience de Dieu. Avant pour ouvrir à une étape supplémentaire avec Dieu, vers Dieu,
et puis après pour relire et pour intégrer ce que nous avons reçu avec Dieu, et puis peut-être le partager et le vivre et porter des fruits de notre vie fécondée par la source même ultime de la vie. C'est ainsi que Marie, qui n'a apparemment pas eu besoin de religion avant cette expérience de Dieu, va avoir besoin de religion après. Comme Zacharie, Marie ne peut pas rester seule avec cette vie nouvelle qu'il habite maintenant dans son cœur. Marie va alors rendre visite à sa cousine Élisabeth, la bien religieuse, la descendante d'Aaron. Et Élisabeth va aider Marie à mieux comprendre et à mettre des mots sur cette grâce qui lui a été faite par Dieu. Et Marie va pouvoir relire alors son expérience infiniment particulière en lien avec les récits de la Bible, les antiques promesses, et en mesurer toute la perspective. C'est ainsi que se tisse la religion malgré ses limites humaines avec la relation secrète entre le croyant et son Dieu, entre chacun de nous et notre Dieu à tous. Amen.